Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler cheveux. On va encore parler cheveux. D'ailleurs, ne prêtez pas attention, mes cheveux sont pas coiffés, pas du tout du tout coiffés. Mais justement, dans cette vidéo, on va tester un produit qui va nous aider peut-être à faire quelque chose de ces cheveux-là. Pour commencer, plusieurs choses. Si la luminosité est un peu bizarre, si j'ai l'air d'un fantôme, c'est normal. En fait, j'ai eu un nouvel éclairage à Noël et du coup, au niveau des réglages, etc., j'ai pas trop bidouillé encore. Enfin, je trouve que je suis très très pâle et c'est très très exposé. En même temps, il fait très moche dehors aussi, donc on fera comme ça pour cette vidéo là mais je pense que vous voyez bien, c'est l'essentiel. Et donc du coup on va parler cheveux. Vous êtes nombreuses à souvent me poser des questions au niveau de mes cheveux, qu'est-ce que j'utilise, qu'est-ce que je fais, etc. Et il y a déjà des vidéos qui existent sur ma chaîne, du coup je vous les remets dans la barre de description, n'hésitez pas à aller voir. Si jamais vous me suivez sur Instagram, vous avez aussi en story à la une, toutes mes vidéos sont répertoriées, vous avez d'ailleurs une story cheveux, tout est là, voilà, au niveau de mes cheveux. Vous avez aussi des petits tutos coiffure sur mon Instagram, vous en avez un pour l'instant, peut-être que j'en referai d'autres. Les tutos coiffure je les fais pas sur YouTube, mais si jamais sur Instagram, vous savez, j'en fais des fois, donc si jamais vous avez besoin de tutos ou quoi, c'est vrai que je fais pas grand chose sur mes cheveux, mais si jamais vous voyez quelque chose qui vous plaît, vous n'hésitez pas, pas à nous rejoindre, hein, ça je vous le dis à chaque fois. Et aujourd'hui on va essayer ensemble une brosse lisse chez Remington. Enfin c'est Remington et Desange en fait qui se sont associés pour cette petite brosse lissante là. C'est pour ça que mes cheveux ne sont pas coiffés, on va les coiffer ensemble. J'ai déjà essayé plusieurs fois mais j'avais les cheveux naturels, j'ai les cheveux lisses déjà, j'ai déjà les cheveux raides. Donc je voulais vraiment tester en ondulant mes cheveux. Donc là j'ai fait des nattes que j'ai laissées 2 jours. Je les ai faites hier donc là il n'y a plus grand chose. Mais je me dis que ça sera déjà pas mal pour tester, je vais les démêler quand même déjà avant. Et on va tester la brosse lissante là-dessus. Donc on va faire un espèce de petit crash test vraiment, voilà, pour voir. Alors vous allez me dire pourquoi tu prends une brosse lissante si t'as déjà les cheveux raides au naturel. Mais c'est vrai qu'en fait depuis que je les ai très 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 longs. Alors je sais pas si vous vous rendez compte de la longueur en fait en vidéo. C'est vrai que je sais pas si on voit trop mais voilà ils sont très très longs. Depuis que j'ai une certaine longueur je trouve que même au naturel après les avoir laissés sécher à l'air libre et tout, ils sont pas parfaitement lisse quoi. J'aime bien parfois avoir les cheveux raides comme si je les avais passés au lisseur. Le lisseur par contre j'aime pas, je trouve que sur ma longueur et ma masse de cheveux c'est très long et c'est voilà, le résultat est pas forcément au top. Enfin bref voilà, du coup j'avais très envie de tester ça. C'est une brosse en fait 2 en 1, donc en céramique antistatique. C'est vrai que j'ai pas eu les cheveux j'ai pas eu les cheveux électriques ou quoi après l'avoir utilisé. Plusieurs températures, vous pouvez choisir 3 modes de température. Alors je vais vous montrer la brosse en cafard. Donc vous avez un petit pochon pour la ranger qui est juste là. Donc là j'ai gardé la boîte pour vous montrer dans la vidéo mais je pense que je vais m'en débarrasser hein, ça prend quand même moins de place comme ça. Donc voilà, je vous disais, vous avez 3 modes de température. Vous avez 150, 190 et 130 degrés. Moi en général je mets au milieu mais je pense que peut-être 150 ça doit largement suffire sur mes cheveux. Un petit cordon rotatif, le bémol qu'on a constaté tout de suite parce que bon je l'ai testé sur moi mais une amie me l'a testé également sur moi, enfin bref, c'est qu'on a remarqué que le cordon est pas assez long. En général tout ce qui est lisseur, sèche-cheveux et tout, les cordons sont très longs, très pratiques, font au moins 2 mètres ou 3 mètres, voilà. Là je sais pas combien il fait, bon il a l'air quand même assez grand comme ça mais il est un peu trop court quand même, parfois ça peut être un peu compliqué. Donc voilà, le seul bémol c'est que le cordon est assez court. Enfin pour l'instant le bémol que je peux vous signaler c'est ça. Alors jusque maintenant sur mes cheveux lisses, enfin assez lisses, enfin, je vous mettrai une photo. Je mettrai une photo juste là de mes cheveux avant, après avoir utilisé cette brosse là. Donc c'est mes cheveux après les avoir lavés et un petit peu séchés rapidement. Donc voilà, c'est pas le test ultime comme je vous disais, mais c'est le résultat sur mes cheveux naturels. Je trouve qu'après avoir passé cette brosse là, mes cheveux sont plus doux, vraiment brillants, ils sont beaux, ils sont doux, ça les démêle vraiment à fond en plus. Enfin voilà, je vous dis déjà, sur mes cheveux naturels, j'aime passer un petit coup de brosse avant de sortir quoi, pour avoir un résultat vraiment très lisse les jours où je veux vraiment avoir les cheveux très raides. Et ça tient sur plusieurs jours. Constatez que ça tenait au moins 5 jours, voilà, le lissage était resté parfait pendant 5 jours, mes cheveux sont vachement plus souples, plus, je sais pas, plus légers je trouvais, enfin voilà. Bref, je vais arrêter de blablater pendant 50 ans, on va faire le test ensemble sur mes cheveux ondulés un petit peu. Précise quand même que ça doit être utilisé sur cheveux secs et démêlé, parce que c'est vrai que bon tout démêlé avec cette brosse là vous pouvez pas vous passer d'une brosse quand même hein, c'est une brosse lissante mais c'est juste pour remplacer le lisseur quoi en gros. Et apparemment elle est faite de façon à ce que vous puissiez avoir du volume etc. C'est vrai qu'on peut à peu près bien la manier en fait pour faire un petit peu un peu de volume aux racines, même si moi sur mes cheveux voilà ça marche pas tellement au niveau du volume mais bon voilà. Donc je vais déjà démêler mes cheveux, je pense que je vais faire ça hors caméra hein, c'est pas nécessaire que je vous inflige ça. Donc voilà, là je vous retrouve, j'ai juste démêlé mes cheveux et là je me rends compte qu'effectivement ça va être compliqué au niveau du cordon rien que pour la vidéo là, mais bon bref. Donc là je viens de la brancher, je vais l'allumer. Pour rester appuyé longtemps, pour allumer ou éteindre, et pour régler il faut juste voilà vous appuyez
une fois, deux fois, trois fois. Enfin voilà, vous voyez la température, elle monte comme ça. Et du coup, je pense que je vais galérer à faire tous mes cheveux d'ici. Bon, on va voir. Du coup, je vais pas relever mes cheveux ou quoi. Je vais faire ça comme ça. Franchement, je suis assez sceptique parce que du coup, j'ai fait des nattes assez hautes. Donc vous voyez, j'ai les cheveux frisés assez haut quoi. Donc ça a mis un peu de temps quand même à chauffer. Je suis trop impatiente, j'ai pas attendu que ça chauffe. Bon alors voilà, j'ai fait un côté donc forcément on voit la différence hein, quand même, on voit heureusement j'ai envie de vous dire que c'est plus lisse de ce côté là. Un peu galéré quand même au niveau des pointes, là derrière c'est pas encore tout à fait parfait au niveau des racines, c'est vrai que comme la brosse est assez grosse, c'est quand même assez difficile en fait d'y accéder au niveau des racines, mais voilà. Mais je trouve que c'est pas non plus aussi lisse, si je pouvais utiliser un lisseur, après je sais pas, j'ai pas utilisé de produits lissants. Sur des cheveux bouclés, c'est un peu fastidieux tout de même. Parce que par contre, le seul truc, c'est que vos cheveux sont vraiment plus doux. Forcément, ça redémêle encore avec les picots, etc. Comme c'est quand même une brosse, ça démêle encore. Ça, du coup, ils sont brillants. Après, c'est des cheveux très raides de base, mais j'ai quand même une sacrée masse. Du coup, ça prend du temps. Bon, alors, je reviens faire un petit point. Rapidement, je suis accompagnée hein, vous verrez, mais en fait j'ai tenté de faire ce côté là du coup au lisseur pour comparer un petit peu pour voir, alors vous voyez vite fait quelques mèches, j'ai pas tout fini parce qu'en fait ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé un lisseur, donc pour comparer finalement il valait mieux quand même que j'utilise voilà, les deux simultanément on va dire, et j'avoue que bah, le lisseur est quand même très efficace, mais j'ai fait quelques mèches là. Alors oui, le lisseur c'est très efficace, mais je trouve que c'est quand même bien plus long en fait à utiliser. Faut vraiment prendre que des petites mèches, des plus petites mèches, faut passer comme ça. Quand j'étais en train de lisser ce côté-là avec le lisseur, j'ai eu envie de repasser sur la brosse. Donc voilà, je pense que c'est quand même un bon produit, assez pratique en fait à utiliser, assez pratique, assez rapide finalement à utiliser pour vous lisser les cheveux ou comme dit pour faire quelques petites retouches, c'est quand même bien pratique. Voilà, je voulais quand même revenir là-dessus parce que c'est vrai que j'étais en train de me lisser les cheveux avec le lisseur, je me dis mais ce que je leur ai dit c'est n'importe quoi, le lisseur c'est vraiment pas mieux. Voilà, pour mon avis, j'espère qu'il vous aura été utile, si jamais de toute façon n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions... des remarques, voilà, vous n'hésitez pas. Et aussi dites-moi si jamais vous l'avez testé, ce que vous en pensez, quelle nature de cheveux vous avez et voilà, ce que vous en pensez en gros sur vos cheveux à vous. Voilà, donc j'espère encore une fois que ça vous aura plu et je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux et dans une prochaine vidéo. Salut.